Bonjour, bonjour, monsieur, bonsoir. On va commencer aujourd'hui à... Oh, j'ai un problème. Bon. À jouer à Dead Space 3. Un jeu que j'ai déjà terminé d'ailleurs sur PC. J'ai reçu, on va dire, deux trucs. Parce que j'ai les sauvegardes. Vous verrez ça après. Bon. Attends, pourquoi sur mon retour, il me dit... D'abord, c'est les origines et la chute. Ouais, mais arrête un peu. Attends, là... Ah mais... Attendez, je regarde mon retour. Obligatoire. Attends, je vais être en 720p, oui. Je joue pas Splinter Cell abruti. Bon, attends, je vais me cacher. Soit je fais une partie solo tout de suite, soit je fais en coop. Bon, on va d'abord faire la partie solo. Après, on arrêtera pour faire la partie solo. Un spectateur, c'est normal, c'est moi. Mais bon, on voit exactement. J'espère qu'on m'entend bien. Attendez. Ah, c'est bon. C'est bon. D'abord, en faire en mode facile, je fais exprès. C'est tout à fait normal. Et j'ai... Tout a commencé il y a 300 ans de cela par la découverte du monolithe noir. Un monument extraterrestre. J'avais pas mis de sous-titres. Trouvé sur le golfe du Mexique. On le prit au départ pour une source d'énergie infinie. Mais il n'apporta que démence et abomination au-delà de la mort. Les nécromorphes. Le premier incident lié au monolithe noir fut étouffé par le gouvernement. Cependant, une religion entière naquit sur les cendres de l'un des chercheurs, Michael Altman. Sa mort suspecte en fit un martyr, et l'unitologie fut fondée. Ça, c'est normal, le 1 que je vois, c'est mon retour. Très secrète, l'organisation croit en l'origine divine du monolithe et vise l'unification de l'humanité en un seul corps, un seul esprit. Ça me rappelle quelque chose, ça. Plusieurs décennies après l'incident du monolithe noir, l'humanité se retrouva au bord de l'extinction, à court de ressources. Désespérée, elle tenta de reproduire le monolithe pour exploiter son énergie sans limite. C'est ça. Les archives de cette époque sont floues, mais nous savons que le processus de réplique a réussi, malgré le prix à payer. Les copies du monolithe furent enfouies, cachées dans les recoins de l'univers, ou dans notre intérêt, elles auraient dû rester. 200 ans plus tard, lors d'une opération de forage illégale sur les G7, le brise-surface USG Ishimura trouva l'une des copies. Ishimura. J'aurais dû faire le 2 aussi. Bah, il fallait que je fasse le 1 et le 2. Le 2, ça ne me dérangerait pas de le faire parce que... Mais d'abord, on va faire le 3. L'un des survivants de l'incident était un ingénieur du nom d'Isaac Clarke. Le monolithe lui avait parlé et avait implanté dans son cerveau les plans du monolithe original. C'est what the fuck ? Isaac fut torturé par le gouvernement, son esprit analysé à la recherche des secrets du monolithe. Ouais. Le programme de réplique fut réactivé et une nouvelle copie fut construite sur la station Méduse de Titan. Le désastre ne tarda pas. Isaac put s'enfuir de justice. Comme j'ai dit, j'aurais dû le faire. J'aurais dû faire le 2. Il ne restait rien derrière lui. Putain, mais c'est quoi ce délire là ? Bon, bah, on va faire le 2. Depuis, la crise liée au monolithe n'a fait que s'aggraver. Isaac Clarke, cachant son esprit capable de fabriquer comme de détruire les monolithes, vit aujourd'hui en reclus.
dans l'espoir de se tenir à distance de leur pouvoir destructeur. Mais il reste un espoir. Sur une planète de glace, quelqu'un a réussi, il y a 200 ans, à enrayer l'épidémie liée au monolithe. Ce qui sauvera notre avenir se trouve peut-être dans ce passé. Attends, là, Benzaï a rejoué. Ah, il a rejoué sur GameCube, littéralement. Ah, bah, là, on va mettre du son, mais je vais le baisser. Bon, normalement. Pourquoi j'ai pas mis les sous-titres? J'avais activé les sous-titres. Oh, ils étaient désactivés, alors je les avais activés. En fait, on avait entendu, mais il n'y avait rien, on voyait pas. Alors, je comprenais pas. Je me merde, mes sous-titres sont pas actifs. J'avais fait. Alors, ça, j'active parce que c'est obligé. Parce que si je joue en cop, c'est obligatoire. Je peux les passer, je m'en fous, j'ai connu déjà. Je connais le jeu quand même. Les commandes. Je suis pas à 5, moi je suis à 10. Bon, on va laisser à 5 pour voir. Et en même temps, il est 4h34 du matin. Là où je suis. Si tu regardes en pépette, je veux dire, si tu regardes en BG, si tu regardes au Canada, je ne sais pas qui est réglé là-bas d'ailleurs. Pas dit qu'il est en fait. Au Canada, il est clair. Ah merde, j'avais pas activé. Si, j'avais activé d'autres. Attends. Ajuster l'heure. C'était ça. J'avais activé d'autres heures. J'ai mis Japon et Canada. Je vais vérifier juste un truc. Déjà la date, attends. Bon. Ah, il était mal fait, Quirel. Ah, il y avait Burnout 2, l'enculé. Bon, c'est bon. Hop. Et... allons. Electronic Arts, faisons. Voilà, là on verra les sous-titres. Ils n'étaient pas tirés. Visceral Game. Ils font des jeux, bons jeux, bordel de merde. Dispace, oui. J'aurais dû faire le 2. Mais je crois que je le ferai peut-être plus tard. Je vous montrerai, en fait je commencerai par les épisodes bonus. 18 juin 2314. Roméo Alpha W250. Ah ben d'accord. Roméo Alpha W250. Serrano, vous m'entendez? Le docteur Serrano. Tim, Dieu merci. Vous l'avez? Si je l'ai? Doc, je sais même pas ce qu'on doit chercher. Bien. La voix me dit quelque chose, mais je sais plus d'où je l'ai entendu. Allez-y, vite! Vous m'entendez? Dépêchez-vous! Quoi? Merde, fais chier! Oui, ce jeu, il est atteint moi de 18 ans, là je vous emmerde. Je vais le grossir, mais je vais éviter de trop crier en fait. Ah, je vais pas crier en fait, je vais essayer d'éviter. En même temps, je m'entends même plus parler. Ah, voilà, le traceur. C'est, c'est RS. Ah oui, avant, on va essayer de trouver ces LED tout truc. Normalement, il y en a, je sais plus où il est, mais plus trop. En fait, techniquement, normalement, quand on joue en coopération, on est à deux, on n'est pas tout seul. Là, je suis en solo, mais peut-être après, je ferai. Ah, tu peux le faire. Bien. Tout repose sur toi. Ah, t'es pas découvert, et ça, c'est cool. Tu parles. Mon arme.
arme est même pas chargée. Je m'éclate. Ollivander. Pareil, je vérifie la VF. Attends, c'est une vapeur ou quoi? Ah non, c'est bon. Oh non. Ah merde. Alors, prologue. Quel départ. Ça sert à rien que je... Comment? Hey Doc, je l'ai trouvé. Bien. Est-ce que vous pouvez entrer? Non, tout est fermé. Cherchez, il doit y avoir un accès. Ah, enfin, des munitions. Là, je vais mettre les trucs. Ah, je veux dire, les... Oh, oh. Ah, y a peur. Oh, Timothée. Comment ça, je le vois? Il est en hauteur, il est un saut. C'est mort, je disais. Le cylindre que Ferran me demande, il est dans le poste de commande. Mais arrête, t'es sur ça, du quoi? Putain, Tim, t'es une vraie chouette. C'est une mauviette. Vous avez de me faire peur parce que pourtant je connais le jeu. Pourtant je connais le jeu. Normalement, regardez, il y a deux commandes. En fait, il faut être deux. Normalement, ce jeu se joue encore en opération de base. Il peut être joué aussi en solo. Voilà, c'est ça qu'on doit prendre et connaître. Mais que ce soit l'un ou oula. Alors, tu me mets derrière. Voilà. Tac. Allez, saute. Team Wesso. Au-dessus du vide. J'ai le pignot que vous vouliez. Ah. Le codec. Il nous sauvera. Retrouvez-moi, Skidon. Et ne vous arrêtez pas. Oh là. Oh oh oh. Allez, stop. Wow, c'est fou. C'est une cinématique. Oula, 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 oula. Tu passes en 32. Vas-y, passe. Et hop. Ouch. Ça fait mal, hein. Sovereign colonies. Army force. Ouais, c'est ça, S-C-A-F. Les colonies souveraines, l'armée des colonies souveraines. Les forces armées des colonies souveraines. Voilà. Normalement, c'est ça en français. Pardon. C'était un vaillant soldat, jusqu'à la fin. Général Mad, chef. Tais-toi, Mad. Où est passé le professeur? Earl Serrano, toujours aussi optimiste. Il me dit que... Il a dit que je devais l'emmener à la ville. Il a dit qu'il était encore temps de l'arrêter. Il est encore temps. Nous avons échoué. Alors, pour le bien de la Terre et des colonies souveraines, il faut aller jusqu'au bout. Au bout. Oui. Tu aimes la Terre, petit. Ta mère, ton père.
Oui, chef, bien sûr. Bien. Ravi de l'entendre. On peut faire l'arme qu'il a en plus. Pourquoi par le bas? T'as dû mettre sur la tempe. C'est plus classe par la tempe. Et c'est en français. C'est tout. En fait, voilà, donnez plus. Tout est noté en français, à peu près tout. Voilà. En terre étrangère. Et j'ai de plus. Bon, on va pas s'arrêter là. Ah non. Le temps des hommes touche à sa fin. Donne une lumière, nouvelle odeur. 200 ans plus tard. Et ça vous savez bien, mais j'aimais bien. Message 34. Isaac, je sais que t'es là. Allez, allez, décroche. Bon, écoute. Je voulais te dire, je dois partir. Il le faut. Alors, prends bien soin de toi, ok? Ouais, en plus... J'allais dire, en fait, il y a la tenue de hacker du 2 que j'ai bien porté d'ailleurs à l'époque. Bruit de surface. Isaac Clark, répondez-moi! C'est lui? Vous êtes qui? Levez-le, debout! Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'irai droit au but. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. C'est des conneries, ça. On m'a forcé la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Deux, oui. Nous avons besoin de vous. Non. Non. J'en ai ma claque. Allez-vous trouver un autre suicidaire pour votre mission? Déjà fait, juste avant de perdre le contact. Elle a parlé de vous. Ellie. Où est-elle? Elle est en danger? Où est-elle? Qui pourrait faire, d'après vous, qui, comme acteur, pourrait faire Isaac Clarke? Ils sont partout! Capitaine! Apparemment, elle s'est perdue, Isaac, et je ne pourrais pas la retrouver sans vous. Merde! Ok. Ok! Là. Faut qu'on bouge. Ah, bordel, mon bruit de surface. Ça c'est cher par contre. Ah oui, pour avoir tout maximum vers la vie, tout. Et ramasser et B. Voilà. Je connais. Hein. Attends, ah oui, faut pas oublier, ça. Pour les messages, on s'en fout un peu. Attends, je vais essayer pas autre chose. Non. Allons-y. Ok, c'est bon. Je vais vous aider. Où est Ellie? Quand est-ce qu'elle a disparu? La ferme, contentez-vous de nous suivre, on verra plus tard. Comme j'ai dit, attendez. Attends, normalement c'est pas là, c'est le méga charnière. Ah bah oui, si, c'est bon, j'ai mon bruit sur. J'ai un bruit sur face. Attends. Et il y a aussi la tenue de N7 que je vais mettre plus tard. Je veux savoir qui vous êtes. Dernier contingent terrestre. Je suis Norton, capitaine Norton. Voici le sergent Carver. Dernier contingent terrestre. On est le dernier, c'est tout. Il y en a plus d'autres. RAS. C'est quoi les contingents? Et voilà, venez. Thomas, en voiture. Vite, vite. Oh. Eux, ils font tuer le monde. Merde. Isaac, bougez. À couvert, vite. Attention, il va s'enfuir. Ça va te secouer. Aïe, 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 aïe. Bon.
enculé. Ce sont des unitologues. Pourquoi ils veulent nous tuer? Nous? C'est vous qui veulent tuer. Quoi? Allez, contentez-vous de sortir d'ici. Espèce de... Ah oui. Pas grand-chose, hein. Ah, le bordel. Oh. Ah oui, c'est vrai, il est seul. J'espère que Benzen n'est pas trop fort pour vous. Moi, mais de toute façon, moi je l'entends pas en fait. Hein. J'ai le cas sur la tête. Ah, ces gens, pourquoi ils veulent nous tuer? Vous avez détruit des monolithes, Isaac. Vous êtes donc une menace pour eux. Quoi? Pour leur apocalypse prophétique liée aux monolithes. Convergence? Ouais, Ellie vous voit comme un messie. Ouais, normalement, il y a... Ce type vous suivent. Oui, rendez-vous sur le toit de Ranger Corp. Une équipe d'extraction vous attend. J'ai dit... En fait, on a entendu... Bien, comme s'appelle l'autre. Notre coéquipier. Mais il n'était pas là, je veux dire... il n'est pas physiquement là. Récupère tout. Comment il s'appelle l'autre déjà? Bon, bref. Normalement il doit être là physiquement parce qu'en fait vous voyez ce jeu, il est en coopération. Pitié, où il est? Je n'en sais rien. Bah, vous m'utilisez les barils contre eux. Pas ça. Wow. Merde. J'ai atteint la route. Vous devez trouver un moyen de traverser. Tout est automatisé. Ils ne vont pas s'arrêter. Ah. J'ai toujours mon module de stase. Je vais ralentir le trafic. Attends ça au mot qui va dire. Et c'est drôle. Oups. Oups. Oh putain. Il est à fond. Oups. Attends, normalement je crois qu'il y a un truc ici. Ah oui, oui, je vois. Faut pas oublier de récupérer ça aussi, c'est les artefacts. Il faut les récupérer pour qu'on a des choses. En fait, quand on a tous les artefacts, normalement on récupère je crois, un équipement ou je sais plus trop quoi. Il était en hauteur, connard. Récupère les chargeurs. Là. Et merde. Mes frères et sœurs, le temps des hommes touche à sa fin. Nous sommes devenus trop nombreux. Norton, c'est pas qu'une chasse à l'homme. C'est un véritable massacre. Non, vous croyez? Pourquoi s'en prendre au gouvernement? Qu'est-ce qu'il a fait? Danik considère que leurs travaux sur les monolithes sont une hérésie. Alors imaginez ce qu'il pense de vous. Vous êtes au point d'évacuation? J'y serai bientôt. Je récupère quand même des munitions. Faut toujours récupérer des munitions. Des infos lunaires. Attends. Ah, il dit arrêtez-les alors que je suis tout seul. Normalement, il va dire arrêtez-le. Il est encore en vie. Amenez-le. Du.
Et moi, je suis dans le jaune, Isaac je crois. Isaac Clarke, vous êtes l'homme que je recherchais. Non, ne vous fatiguez pas, votre mort n'est qu'une question de minutes. Relevez-le. J'ai quelque chose à vous montrer. Là. Vous voyez ? C'est un monolithe test. Il y en a partout dans les colonies et les avant-postes. En quoi ça me concerne ? Vous avez fait partie du programme, Isaac. Ce sont un peu vos enfants. Et aujourd'hui, vous aurez la chance inouïe d'être témoin de leur libération. Non, non ! Vous allez nous tuer ! La mort n'est qu'un début, Isaac. L'histoire doit suivre son cours et je ne laisserai ni vous ni personne interférer. Regardez, soyez bien attentifs. Et ça va faire boum boum. En fait, si on tuait Danik là maintenant, quand nous on a tout au maximum. Vous de prendre part à la Renaissance. Dégage. Un corridor. Un corridor. Toujours vivant. À des vivants, en fait, on est avec. Comment il s'appelle ? Carver, voilà. Normalement, on devait être avec Carver. Oh merde. Je suis en mode facile. Pourtant. Et j'ai du mal à les tuer ces bâtards. Attendez. C'était quoi ça, un moustique ? Je l'ai été avant. Je suis peu fou à ce point. Ah, je vous conseille pas de regarder ce jeu parce que il est très gore. Et aussi il fait très peur parce que moi quand j'ai joué la première fois j'ai eu des frayeurs. Voilà. Merde. Un chargeur compté, c'est cool. Merci. Dead. Ah, oui. Pourquoi je les tape quand ils sont par terre ? Parce que c'est pour récupérer leur munition ou autre. C'est tout. Attends, ce jeu, vous pouvez éviter de marcher tout le temps. De courir tout le temps en fait. Ah, moi je cours simplement, mais. Vous voyez, c'est un peu un coureur. Attends. Putain, j'ai presque plus rien quoi. Regarde, j'ai plus de place. Dans mon inventaire. Isaac, nous avons vu l'explosion. Vous avez rejoint l'équipe tous. Mort. Danik va avancer. Merde, trouvez un moyen de sortir de la ville. Je viens avec le Dor. La gare de la station Washington. Il y a des trains qui vont hors de la ville.
Parfait, on se voit sur les rails. Ceci est un message. Ah, faut pas oublier l'air fait pas cela. Bah, je crois que j'ai assez de munitions parce que j'en ai plus en fait. Attends, je n'ai que de la munition. Pourtant, on peut aller jusqu'à 20 maximum. Oh, bah, j'en ai à l'appel, alors c'est bon. On peut même pas accéder à ça, c'est chiant par contre. Normalement c'est bon. Ah oh, bah j'ai. Ah, je dépose parce que j'en ai plus. Les deux sauveurs, merde. T'es pas mort, par contre. Arrête de... Plus de bâtard. C'est pas automatique. Tu as une erreur. Ah, t'es mort. Bah, je récupère quand même de temps en temps. Le secours arrive. Sauf plus là, tes secours. Faudrait aller chercher à boire. Je reviens, je vais chercher à voir. J'arrive. Sachant que le truc, c'est que là, c'est improbable, quoi, cette énigme. Après le test des hamsters, ils nous ont envoyé sur une espèce de micro-planète ou je ne sais plus quoi. On se crache et on s'est défoncé en zéro frame par un vieux avec un tromblon. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Fermer.
peuvent faire marcher la vieille guimbarde de Vera, ils peuvent peut-être m'aider à passer ces tests débiles. Donc souvenez-vous, hein, les glaçons, les sauterelles glacées et les collants ont servi pour la deuxième énigme. Donc à partir de là, nous sommes en zone inconnue. Ça, c'est le vieux qui s'arrête, c'est le mec qui s'arrête au resto de Vera. Hey, éloignez-vous de ce camion, bonhomme. Bon, ça sert à rien d'aller aux collines. On va chez Vera, je sais pas ce qui se passe. Vous avez trouvé un truc là pour contrer le vieux avec son trou trop blond. C'est encore moi. Chaque fois, bien sûr, on vient même les souris ne veulent pas manger ici. Le fromage est encore dans le piège. Oui, le ressort. Pourquoi ne pas t'asseoir et regarder le menu comme tout le monde? Je sais qu'elle vous a manqué. Alors il y a toujours un truc à faire avec les chiens. Avec la lumière, je sais pas ce qu'il y a. On va baisser un peu le son là. 30 secondes. Voilà, allez, reprenons. Fais chier. Pas de train. Ok. Je suis arrivé à la gare. Et les hommes de Danny? J'ai réussi à les semer. Cet incident nous a fait gagner du temps. Bien, dans le train. On y va. Ça craint. Le train est programmé pour une nouvelle alimentation. Et je vais devoir le remonter entièrement. Dragouillez-vous. Les vaisseaux taniques sont pas loin. On va essayer de les retenir. Mais faites vite. Assemblage incomplet. Veuillez connecter le moteur et le wagon d'alimentation avant la mise en route. Voilà, on va faire ça. C'est avec B si vous n'avez pas compris. Allez, avance. 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 Le moteur est en position. Veuillez connecter le wagon d'alimentation avant la mise en route. Allez, plus vite. Merci ma petite dame. Ok Norton, le train est prêt à passer la porte sud. Vous le verrez, c'est la seule chose qui bouge. Bien reçu, j'approche dès que vous quittez la ville. Soyez prêts, ça s'annonce délicat. Norton, vous ne m'avez encore rien dit sur Ellie. Est-ce qu'elle est en vie? Merci. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ah, on dirait que la cavalerie arrive. Norton, le Nora, c'est quel vaisseau? Celui qui vient de passer au-dessus de votre tête. J'arrive. Et maintenant ou jamais.
J'ai préparé la boute en A. Pour toi. Hein. Capitaine Flotia, tirez-nous de là, vite. Allez, ouais, tirez-nous de là, s'il te plaît. Non, on va pas finir jusque-là. Non, on va faire même l'épisode. Bah, c'est pas encore fini en fait. Bon, l'épisode est pas terminé. Qui c'est? Mon fils. Oui. Mignon, vous l'avez laissé? Il est mort. Danik l'a tué. Lui et sa mère. Ah, désolé. Ouais, pas la peine. On n'est pas amis. Oui, mais on a un intérêt commun. En tout cas, merci de m'avoir sauvé. Faites plus attention. Carver, Isaac est debout? Ouais. Tiens, on y est presque. Ramenez-vous sur le pont. C'est bon, on y va. Il faudra que je fasse aussi la cope. Parce qu'en fait, à un endroit, il faudra que je me mette en cope direct. Parce qu'en fait, t'es obligé de te mettre en cope obligatoire. Attends, ah. Bon, on va récupérer. Attends. On est à l'épisode 2. Mais disons que je vais pas m'arrêter là tout de suite. L'épisode 2 pour le jeu, mais moi c'est toujours l'épisode 1. Parce que c'est pas encore la chute. Lecture, enregistrement. Ouais, quoi? Je bosse là. Fais pas chier. C'est son anniversaire. Merde. C'est papa? Merci pour le cadeau. Tu rentres quand? Bientôt. Ok. Je t'aime, papa. Hé, hey, qui veut jouer à la guerre? Il joue à la guerre? John. Tu es son modèle. Eh ben, enlève-lui vite cette idée de la tête, t'as compris? Je dois y aller. Je t'aime. Ouais, je t'aime. Elle est morte. Ok, écoutez-moi. Il y a 13 jours, l'agent Ellie Langford et son équipe sont partis à la base. Attends, l'agent. Inconnue qui renfermerait, selon elle, le moyen d'enrayer pour de bon l'invasion monolithique. Depuis, nous avons perdu tout contact. Notre priorité absolue est de trouver l'agent Langford et son équipe. Ouais. Ce qui est un peu con, on peut pas encore utiliser. La tenue encore de N7, parce qu'on l'a pas encore. Parce que c'est cette tenue là que je vais porter. Quand on pourra accéder aux tenues. Oui, t'inquiète pas Isaac, on va partir. Comment aller secouer la grand-mère? Viens-le, grand-mère. Respectez vos grand-mères. Et respectez vos parents aussi. Ne crie pas comme ça, Ben. Normalement, je sais pas si on peut accéder tout de suite, c'est ça. Je veux dire, à l'artefact. Je sais pas, je vais voir. Allez voir ça. Parce que moi, j'ai mis à voir tous les artefacts. Oh, oh, oh. Attends. Ah, si, on va aller voir. Hop. Hop, on récupère les munitions aussi. Au moins, on en a l'appel. Au moins, on va avoir l'appel que pas du tout. Comment vous faites si vous avez plus de munitions hein? Une astuce que Isaac va vous montrer. Mais c'est plus tard dans le jeu. C'est un tout petit peu plus tard. Arrivé dans 15 secondes. Prête pour extinction des feux. Très bien, écoutez, nous naviguons à l'aveugle, alors restez concentrés. Rosen, le décompte. Balise verrouillée. Extinction dans 5, 4, 3, 2, 1.
Nous sommes arrivés. Qu'est-ce que c'est? Une lune. Où est-ce qu'il en reste? Rosel! Ouais, j'ai vu! Merde. C'est un sacré carambolage. Une décharge, oui. Aucun signe d'Eli? Je détecte plusieurs transpondeurs, mais aucun étatique. Selon leur signature, il s'agit des colonies souveraines. Tu déconnes? Ils ont plus de 200 ans. Attendez, c'est pas tout. Il y a un SOS qui vient de cette épave, droit devant. Le CMS Roanoke. C'est peut-être Eli. Espérons-le. Rosen à 500 km. Oui, chef. Ces lumières, c'est des balises? Attendez. Non. Demi! Rosen, sortez-nous de là! Alerte, collision. Impact imminent. Oh oh. Vous croyez vraiment que je vais faire un épisode à chaque fois, spécial stream. Attends, je vais pause parce que je vais pas arrêter le stream après le prologue, entre le prologue et l'épisode 1, l'épisode. Non, je fais pas comme ça. Je fais plusieurs épisodes, il y en a 15, je sais plus combien il y en a exactement. Et attendez, je vais régler le truc. C'est un peu trop fort dans mes oreilles. Ah. Allô. Ces panneaux et condamnez-moi cette porte. Depuis quand vous donnez des ordres? Depuis que personne n'a le moindre plan. Je vous expliquerai plus tard. Carver, où sont rangées les tenues spatiales? Carver, là en bas. Bah, on a besoin du combinaison spatial parce que nous on en a pas. Carver en a une, mais nous on en a pas. Ah, merde, la rampe. Gravité suspendue. Oh. Pardon. Ah ouais, mais on est de côté là. Non, on peut pas utiliser merde. Attends. On va attendre que ça va arriver sur ce sol. Attention! Vous ne pourrez pas éviter! Alors mettez la gomme! Oh non! Oh non! Ah!
entendu. Fini les conneries. Vous pouvez rejoindre ce quai? Ouais. La terre à bord. Le signal de détresse des lits vient de l'intérieur, alors j'espère. Ouais, de toute façon, je dois aller là-bas, alors. Sang. Le courant semble coupé partout. Impossible d'ouvrir les boîtes de chargement. Je crois qu'il y a un levier sur l'autre porte. Vous le voyez? Oui. Je vais voir si je peux entrer. Voilà, l'Odyssée de l'espace. Ouais, Odyssée, 2001, l'Odyssée... Bon. Vous avez vu Ellie? Non. Personne ne peut venir ici depuis longtemps. Attendez, je vais essayer d'ouvrir les portes. Ah ah, l'armature. J'ai du mal à respirer. Combien de temps? Ok, on fait aussi vite que possible. Marc devient très pâle. Je peux pas le soigner. Merde. Isaac, rejoignez la porte. Je peux vous faire entrer. Ok. Voilà. Entrez et venez m'aider. Isaac, le SOS d'Eli vient d'une zone plus éloignée. Mais je reste avec Rosen et Locke. Envoyez-moi le signal, je vais aller voir. Me voici. Hé, hey, n'allez pas trop loin. C'est un ordre. Hop, un bloc moteur Tesla. Voilà. C'est une abasse. Ça ressemble à une cloison de quarantaine. On peut la détruire? Non. Elle est trop épaisse. Ça a marché. On a gagné un établi. Quoi? Avec tout ce qui traîne ici, je parie que je peux faire mieux que cette arme. Ouais, bonne idée. Fabricant, améliorons notre arme. Voilà. On va prendre le bout de surface. Voilà. Normalement en intérieur on peut pas. Ah, c'est une compact pour ça. Voilà, ça sera mieux. Et voilà. Pourquoi j'entends la musique derrière hein. Oh merde. C'est nos copains.
Ah oh, merde. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Visez les membres, bien sûr. Je répète, bien sûr. Ouais, ok. J'ai plein de vis dans les oreilles, c'est pas normal. Faut tout récupérer ici. Mais quand vous recommencez une partie, récupérez tout. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Oh merde. Merde. Oh putain. Un circuit, et ça c'est cool. Tu vois qu'on remet l'électricité en marche. Ah cool. Oh non, pas ces trucs. Je hais ces trucs là. Voilà, faut tout récupérer.
Ouais, mais ça, s'en fout un peu. On aura récupéré la tenue N7, on pourra arrêter là. Attends, j'ai fini mon inventaire. Oh. Hey Norton. Ouais. Ouais, je suis là. Ça devrait les retenir un peu. La source du SOS est juste au-dessus de moi. Je crois que j'ai trouvé le générateur principal. Si j'arrive à le faire, on a emprunté l'embranchement. Ouais, et vous alors? Y a un ascenseur qui monte à la flèche. Je vous retrouve aux coordonnées des... Aïe, aïe. Le tir des tirs. Où moi ce bâtard qui est là-bas. Aïe. Tiens, pour ça. À un moment, il faut être deux. Je vous ai dit. Ça tue, il faut. J'ai bien envoyé un monstre, je sais pas si pour vous. Hé, on a du jus. L'embranchement est ouvert. Rosen, Locke, faites gaffe. Carver, Isaac, on va à la flèche. Compris. C'est où ça, le prix? Viens, qu'est-ce que tu dis? La tenue là, j'aime pas trop. Bah, elle est quand même pas mal au début. Mais moi, je préfère encore les autres. Hein. Dieu merci, t'es là. Oh, Ellie, ma belle. Ouais. Trop borné pour mourir. Capitaine, c'est bien lui? C'est lui. Isaac Clarke, c'est un plaisir. Austin Buckel, monolithologue. Et voici Jennifer Santos, c'est l'intellectuel de la bande. Si vous arrivez à déchiffrer le monolithe, nous pourrons finir cette mission. Merci d'être venu, Isaac. Pas vraiment eu le choix. Je sais, désolé. Mais j'ai tellement de choses à te dire. C'est pas grave, il faut qu'on y aille. On doit partir maintenant. Non, attends.
Isaac, nous devons y mettre un terme. Tout nous conduit au quartier de l'amiral. Elle a recouvert les murs de ses symboles. Mes réponses sont là, je le sens. Nous devons d'abord découvrir ce qu'ils veulent dire. Très bien, laisse Isaac jouer les traducteurs. Nous, on va y aller. Je prends Buckle et toi Santos, on y va. Vas-y, prends soin d'eux. Ils ont plus besoin de toi. Ouais. Plus besoin de moi... Au moins on a un établi. On a les plus 4 déjà. Allez. Ah merde, j'ai pas assez de ferraille. Au moins ça m'arrête ça, mais il fait ça. Moi que j'arrive à trouver, c'est moi ce que j'ai, c'est... semi-automatique, oh merde. Ah oui, avec le lance-vite, c'est cool. Normalement, je crois qu'il y a des trucs ici, des chargeurs. On prend. Ah, cool. Et... oh, en placement. Normalement le placement c'est... ah ça c'est une cinétique. Ça sert un peu à rien en fait. Optimisation. Attends, regarde, on va démonter un peu des... normalement on peut avoir du tungstène. Ça ne fait que de la ferraille. Il n'y a plus rien ici. On vérifie. Là, ça ne m'avait plus rien, on peut se casser. Isaac, je suis désolé. L'enjeu est tellement considérable. Norton. C'est bien. T'as pas perdu de temps. Le monde s'écroule et tu me fais une crise de jalousie. Bien sûr. C'est dur. Je t'ai jamais trahi. Gentil, moi. Ah non, tu as trahi le monde. Hé, hey, j'en ai pas fait. Déjà assez perdu, tu crois pas? Isaac, c'est ma chance. On est coincés sans ton aide. T'es avec moi? Est-ce que tu crois que j'ai vraiment le choix? Génial. Quoi encore? Oui, quoi encore? Un petit mini boss. Bon alors tu ouvres ma porte ou quoi? Allez allez. Ah ouais. En fait faut tirer là-dessus mais avec un film automatique c'est pas facile. Aïe, pétasse.
Ah mais putain, saloperie. Oh, très efficace. Oh putain, recharge pas. Hein? Oh mais ça commence à me dégonfler. Mais je me casse. Au revoir. C'est vaut mieux, je suis mieux équipé, mieux armé. Alors, j'ai plus de. Oh putain, j'en ai plus. Ok. Super. Isaac, ici Carver. Zone sécurisée. Comment vont les autres? Ils sont vivants. On se voit au quartier de l'amiral. Soyez pas en retard. Ouais, ouais. Merci Carver. Le premier est tout simple. L'épisode est particulièrement long parce qu'on n'a pas récupéré notre tenue. Ah ouais, là c'est normal. Oh mon Dieu. Attention, ce jeu est à des musiques, hein. De l'amiral. Isaac. Arrête là. Hey, Isaac. Arrête Isaac là. Carver, qu'est-ce qui se passe? Arrête là. Isaac. Arrête hey. Là. Arrête là. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui se passe. C'est rien, tout va très bien. Tout va très bien. Ellie, l'amiral était obsédé par une clé. Quel genre de clé? Hey, quel genre de clé? Un appareil extraterrestre. Une machine. Elle pensait qu'elle permettait de contrôler les monolithes. Oh mon Dieu. Elle voulait l'arrêter. Elle n'a pas arrêté d'écrire ça comme un mantra. Comme des instructions. C'est exactement ce que nous cherchions depuis tout ce temps. Ce n'est pas une planète ordinaire, Isaac. C'est son origine. L'origine des monolithes. J'espère que vous vous foutez de moi. J'espère qu'il y aura un T-Space 4, ça sera trop okay. Cool. Direction la salle des commandes. Cyral, mettez T-Space 4, s'il vous plaît. Clark, laissez tomber, venez, Clark.
Ouais, ok, bah j'arrive. Voilà, on va récupérer l'artefact, voilà. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Un message pour eux, mais je vais récupérer un autre truc avec. L'artefact, ok. Ici Buckle. Nous venons de trouver un transporteur appelé Crozier. Si nous arrivons à le remettre en état, on pourra atteindre la surface. Pas question. On prend cette navette et on fiche le camp d'ici. Bon sang, Robert. Si nous ne détruisons pas ces monolithes, nous n'aurons nulle part où aller. En tout cas, cette navette est notre seule chance. Où est-elle? Sur le plus gros vaisseau de la flotte. Le Terra Nova. C'est pas tout près. Oui, mais il devait bien avoir un moyen de naviguer. Si c'est le cas, nous trouverons. Ouais, bah maintenant, on va essayer de récupérer la tenue. Merde, mauvaise position. C'est par là, c'est bête. Bonjour, général. L'amiral m'a demandé de vous présenter ses infos. Ah, le monolithe noir fut trouvé sur Terre en 2214. Et il défia l'ensemble de nos connaissances. L'énergie qu'il générait semblait sans limite. Une découverte d'importance cruciale face aux pénuries. Nous avons donc essayé de le cloner, afin de comprendre... Hop. Oh. Recharge. Oh, bordel. Putain, mais en mode facile, il est difficile là. Je sais pas où. Par là. Oh, Isaac, te voilà. Où sont les autres? J'espère qu'ils sont loin de cette épave. Santos, mettez-le au jus. Bien sûr. Nous avons trouvé une petite navette assez modeste. Ce n'est pas un engin de compétition, mais elle atteindra les vaisseaux éloignés. Ok, je vous envoie les coordonnées. Bien, récupérons cette navette et rentrons à la maison. Robert, on ne rentre pas à la maison. Du calme. On récupère la navette et on décidera ensuite. Je vais aller jeter un œil à l'engin. Ok? Ah. On va aller récupérer la tenue. Oui, allons-y. Alors. Voilà, on va déjà mettre certains au niveau 1. Et récupérons l'armure. Et écoutez la musique quand on la remette, c'est trop classe.
Ah, ils l'ont pas mise. Ah, c'est bizarre. Sur PC, elle a l'élite. Hop. Alors moi, j'ai récupéré ma tenue. Et je la trouve super classe. Putain, bordel. Isaac, ici Norton. Pourquoi vous passez par un canal privé? Pour voir si je peux vous faire confiance. Ah, faut pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais ce que vous ressentez. Mais c'est terminé maintenant. Et j'aime trop Ellie pour la laisser faire ça. Si elle dit vrai, si c'est vraiment le berceau des monolithes, alors nous pouvons peut-être les non, arrêter. Non, nous savons comment ça va se terminer. S'ils avaient trouvé comment les arrêter il y a 200 ans, nous serions en sécurité, non? Mais ce n'est pas fini. Oh, je vois. Vous vous imaginez qu'elle est vous. Ouais, et bien oublié. Elle est à moi, c'est clair. Non, faut pas me faire confiance. Vous entendez? Merrick détecte un genre de message en boucle. Il a l'air crypté. Il vient du vaisseau scientifique CMS Grilly. Ça peut être très important. Si j'ai l'occasion, j'irai voir. Terminé. Voilà, on l'a sauvegardé. Et en passant, on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que... 1h24 de gameplay. La chute, elle a été faite. Et en même temps... Bon. Ça fait ça regarder. Et hop. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao les gens.